Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc là, on a une tête pas potable parce qu'il est hyper tôt. Et on est à Charles de Gaulle, donc à l'aéroport, avec Ouria, Maïssa qui fait des TikTok et mon père. Donc là, en fait, je vous explique, on va aller aux États-Unis. Donc, mon continent préféré. Ouais, en fait, c'est le rêve en fait de mon père depuis qu'il est gosse en fait. Et mais aussi, elle m'a toujours cassé la tête pour aller à Los Angeles. Et là, j'ai décidé de réaliser leur dream, you know. Là, vous allez tous dire ouais, à chaque fois que tu réalises les rêves des gens et tout. Non. Mais c'est pas de ma faute. Bon les gars, finalement ça s'est pas passé comme prévu. Air Canada nous a pas laissé passer parce qu'on n'avait pas de visa de transit pour Toronto. Du coup on est parti une semaine plus tard. Et bien sûr j'ai perdu tout l'argent des billets d'avion et l'argent des hôtels. On adore. Mais bon c'est pas grave parce que j'ai tout acheté et on a finalement pu partir. Les gars, cette fois c'est la bonne, on nous a pas recalé parce qu'on est venu il y a quelques jours et on nous a pêché comme des merdes. Et là c'est bon, c'est la première fois qu'on prend l'avion tout ensemble. Regardez votre pote, elle regarde un documentaire sur des baleines. Enfin arrivée à LA. Je suis trop contente. Oh my god. C'est la première fois pour moi aussi. Oh my god. Là on vient d'arriver et regardez la voiture que j'ai louée. J'ai lu une GMC, j'étais même pas au courant. Et je suis choquée. Genre là mon père il vit sa best life. Je suis morte de rire. Regardez, il y a qui derrière. Salut les gens! Je suis morte de rire. Bon, let's go! C'est mon rêve de Los Angeles depuis mon enfance. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Donc, là je suis avec Maïssa et il y a Ouria qui arrive. Donc, where is she? She's here. Et aujourd'hui, on va aller au Hollywood Sign, on va aller voir le Hollywood Sign. Bon, avant on va aller au Starbucks, de toute façon vous allez nous suivre dans notre petite journée. J'espère vraiment que ces petits vlogs à LA vont vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Les filles, papa il est passé où? C'est pas bizarre, il est en train de parler, c'est pas, il se croit trop scarissé, il connaît et tout, parce qu'il va se perdre. Oui, c'est mon père, il est perdu là, on a perdu mon père. J'ai calé la paire. Là, descend de la GTA, mais elles existent vraiment. Je suis choquée. Oh my god, là vous voyez pas, mais genre on est vraiment comme ça. C'est une pente de ouf. Hein. On voit rien. Là, on vient d'arriver au parking du Hollywood Sign. Et heureusement qu'on est venu avant parce que, genre, là je vois que c'est 10 euros par heure, genre pour se parquer, pour se garer. Et du coup, je vais voir le mec. Tout, je fais est-ce qu'on doit payer avant ou après parce qu'on sait pas s'il en reste une heure ou plus. Après, il fait non, c'est gratuit jusqu'à midi. Alors, Maïssa, ça va? On va t'interviewer. T'es contente? Très contente, même. Je me rappelle quand elle me disait ça, genre il y a genre un an, elle me disait ouais, on est à Los Angeles, tout pour moi c'était genre impossible. Mmh. Et après, je me suis dit bon, quand vas-y. Il y a qui faisait ya, gênant. Gênant. Oh my god, on va aller partir chez une personne qui est un peu plus moins gênante. Okay. Salut Ouria, enfin un peu moins gênante. Tu vas bien? Oui, et toi? Tu kiffes ta life? Yes. T'aimes bien? Yes. T'es heureuse d'être ici? Yes. Ok, top. Mais imagine, je t'aurais pas ramené comme l'année passée en Belgique si t'étais punie. D'ailleurs, je vais prendre un billet, je vais venir. Et voilà. Tu veux venir cette année en Belgique, je vais venir et c'est sûr. et depuis que je l'ai punie en Belgique, elle fait plus de bêtises et tout parce qu'elle a peur de plus venir. Ah oui, je vois des photos. En plus, les photos, je les ai même pas likées. Hein, parce que, voilà. Pas like. Elle prend des photos avec Maïssa. Moi, je suis qui, moi? Genre, je suis qui pour pas prendre des photos avec toi? T'es une personne qui a fait des bêtises et qui a été punie. J'ai pas fait de bêtises. Mon père, il a dit ouais, si j'étais venue seule, je serais même pas sortie de l'aéroport. C'est la vérité. Ah ouais? T'es contente d'être ici avec moi? Bien sûr, t'es contente. En plus, l'anglais qu'on parle à l'école, c'est pas la même du tout. Mon père, il comprend rien l'anglais, il essaye de parler. Tu fais merde, je comprends rien. Je suis marre. Ah, il est là-bas, Hollywood! Elle est là, voilà. Elle est... Oh my god! Ella, I love you so much. Vous êtes contente d'être là? Je t'aime. T'as dit je t'aime qui? LA. Waouh! Moi, LA. Pour une fois, elle m'a avoué son amour pour moi. J'ai les larmes aux yeux. Non, moi, je l'aime aussi. Soleil, hein. Franchement, okay. C'est la meilleure soeur si vous avez une soeur comme ça. Oh même my god. Si jamais. Allez, brrr! Oh my god, merci. Ça me touche au plus ça profond de moi. Les gars, là, Auréa, elle est en train de m'apprendre à faire un TikTok. Une danse, voilà. C'est horrible. Genre, quand je dis horrible, c'est vraiment horrible. Et merci. J'en ai marre.
Bon les gars, on a changé d'emplacement, là on est au Lake Hollywood Park. Je vais vous mettre de façon tout ici, comme ça bah, si vous venez en vacances vous saurez où aller. Sinon on a galéré pour le trouver, je voulais absolument venir ici parce que bah, les photos elles sont en fait stylées et ça fait un autre angle de vue. Je meurs parce que Maïssa elle est énervée parce que elle sait pas elle sait pas prendre des gens en photo. Mais c'est pas ça en fait, si moi vous m'énervez en fait vous me faites sortir une haine. En plus le problème ils prennent avec mon téléphone, même pas, merci, passe. Qu'as-tu à dire pour la défense de Maïssa? Mais ça elle est nulle en photo déjà. Elle est moche en photo. On a dit pour sa défense. C'est elle qui a acheté le téléphone alors que c'est même pas son argent. C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Ça a papa. What? What? Eh hey. La honte, la chouma. Attends vite fait. Je vais poser mes accessoires. Putain la honte, elle est en train de se battre à Hollywood. Donc là les gars, avec mes petites soeurs, on va aller manger chez Shake Shack. Shake Shack, on va goûter ça dans Shake Shack. Elle a dit Shake Shack, Shake Shack, Shake Shack. Trop, franchement c'est trop trop bon Shake Shack. On a reçu notre petite commande. Et cette limonade c'est la meilleure au monde. Genre vraiment, elle est trop trop bien. Mais ça tu kiffes? Ouais d'où? Elle a pris du coca, mais franchement si vous venez ici prenez de la limonade. Et ce qui est cool c'est que bah, vous pouvez vous resservir en fait. Si vous avez déjà le verre, bah, vous pouvez reprendre autant de fois que vous voulez. Ça c'est pas genre de la viande. Mignon. Bref, mais ça veut faire un tatouage. Mon père lui a dit j'ai tué. Ahmed, il y a une business, businessman. Évasion spéciale d'Algérie occidentale. C'est ce qu'on a fait là. Musique wesh. LA et aujourd'hui on est venu à Venise. Ça sent la beach, ça sent l'Amérique, ça sent l'été. Je venais H24 ici, GTA et tout. Ouais, genre, moi aussi. Genre les tatouages. Toi non, toi. Toi non, toi. Arrête. Mais genre, regardez. Dinguerie. Je suis choquée les gars. C'est dinguerie. Nina, tiens, tu te choques, Isabelle, s'il te plaît, nous on prend des photos et c'est toi qui l'as ramené. C'est toi qui l'as ramené. Nina, c'est toi, tu mets ton site. Ne touche pas. Là avec Ouria on va faire un TikTok mais ça va nous filmer. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter sur mon TikTok, je vous le mets juste ici. Et let's go. Elle nous saoule, elle sait pas danser, wesh. Elle abuse, elle sait pas. Un milliard de fois, je sais danser. Okay. Tu sais pas. Ça nous a fait perdre une heure. Et vous êtes tous déjà jaloux. Je sais pas. Elle est nulle. Elle sait que faire des TikTok. Nice check. C'est tout. Nice really check. Bon là le cadeau c'est pas Nina qui me l'a ramené, c'est moi qui l'ai acheté. Je suis morte. En gros je vous explique, à chaque fois que je voyage j'achète genre les aimants là qui se mettent sur le frigo à mon père. Et là bah il s'est acheté 100 trucs à lui, il a dit je vais le mettre au milieu. Parce que tous les autres c'est moi, à chaque fois c'est moi. Et là c'est la première fois qu'il voyage et il achète 100 trucs. T'es content papa? Bien sûr je suis content. Ah, on a fini notre petit détour à Venice Beach. Je suis morte de rire. Et là on va où? Je sais pas, on va à Santa Monica. J'invite vraiment les gars à me suivre sur Instagram parce qu'on a fait v'là des photos et je fais plein de stories. Donc il y a plein de trucs que vous ne voyez pas forcément dans le vlog, vous allez voir dans les stories. Les gars, on a fini Venice Beach et là on est venu manger à In-N-Out. Donc si vous venez aux États-Unis, faut vraiment venir ici parce que Askip il est incroyable. Et les frites elles sont trop bonnes. Dinguerie. Franchement les gars, c'est les meilleures frites que j'ai mangées de ma life et la sauce est trop bonne. Actuellement 14h30 et Ikaï, oui. Et on est à Santa Monica, genre dinguerie. Okay. Merci chérie. Donc là, on est à Santa Monica, les gars. Et on va passer la journée à faire des attractions. C'est qui a le courage d'aller faire les attractions? Moi. Merci Junior de m'avoir donné cette excitation pour aller faire des trucs de ouf. Ma gueule. Moi j'ai peur, je commence à avoir peur. Mon père il a dit bien sûr on y va. Je suis sûre il va mourir.
Moi, je regardais ces deux imbéciles là. On s'apprête à faire le grand 8 de Santa Monica. On va se chier dessus. Ah, ouais, tiens, la nef est Santa Monica. En arabe c'est Santa Monica, c'est pas Santa Monica, Santa Monica. On a fait une petite photo, donc on l'a acheté. Donc là il y a mon père où je cache. Et du coup il y a moi, Nouren et... Voilà. Et on les connaît même pas. Non, on les connaît pas, c'est derrière. Oh non, la pauvre fille a son papa, elle vient pas avec nous. Elle veut pas venir, on l'a punie la pauvre. Bon les gars, là avec Maïssa et mon père, on va sortir, on va aller à Hollywood Boulevard prendre une photo devant l'étoile de Michael Jackson. Auréa, elle voulait pas venir avec nous, elle avait un peu la flemme. On est arrivé à Hollywood Boulevard et c'est archi mieux le soir que le matin. Enfin, moi je vous conseille de venir, enfin de faire les deux si vous pouvez. Mais c'est mieux le soir, j'ai l'impression, parce que bah, de une il y a plus de monde, de deux il y a plus de lumière. Voici la fameuse étoile de Michael Jackson. Elle, elle fait des TikTok H24 partout. Partout où elle va. Et regardez Miskin mon père. C'est lui qui lui sert de trépied. On devait rentrer mais on a vu un Victoria's Secret énorme. On est rentré en mode speed genre. Truc de ouf. Et là bah, on va prendre tout ça. Donc là j'ai commencé à préparer des petits cadeaux. J'ai acheté un sac s'il vous plaît. Et le sac par contre il est archi beau. Genre j'ai craqué. Le voici. À demain. Regardez madame de bon matin. Elle est en train de mettre du masque. Elle a volé mon mascara. J'ai volé tout son make-up. Elle met du masque. J'ai caché un petit peu mon bouton. Moi, je dois... T'as quel âge toi? J'aurai 15 ans. Non, j'ai dit t'as quel âge, pas t'auras quel âge. Moi, 14 ans. Hier soir, on est parti chez Victoria's Secret et j'ai acheté du coup une brume à Maïssa. Donc voilà. Et j'ai acheté un gloss à Auréa, elle l'a toujours pas vu. Donc voilà, Auréa, teste-le. Salut, salut. Oui. Ça va. Je l'ai mangé là. Fais. Ah, ça sent bon. Attends. Attends, je vais goûter. Ah oui, ils sont super bons. Il est bon, hein? Bien. Ouais. Le troisième jour aux USA. En vrai, c'est le quatrième jour, mais on compte pas le premier parce qu'on est arrivé, on a dormi direct. Donc là, en fait, on est parti pour genre bruncher. Le problème, c'est que bah, il y avait trop de monde dans le brunch où on voulait, enfin dans le resto où on voulait bruncher. Et du coup, on a changé. Déjà, il y a la crêpe de Maïssa qui est arrivée. Moi, je vous ramène que dans des vrais trucs, moi. Les gars, je suis morte de rire. En fait, c'est cette cuillère, c'est du chocolat. C'est trop bien, wesh. Regardez mon verre, wesh. Il fait la taille de... Même pas. Ouais, et le verre de... Ouais, il fait sa tête. Il fait... Attends, mets-le à côté de ton visage. Je suis morte. Se met ses mains. Regardez les pancakes de Auréa, elles sont énormes. C'est trop lourd. Photographe. Wesh, la meuf, elle s'est... Oh, hey, t'as pris une belle photo, c'est bon, elle s'est enfuie avec le téléphone. Oh, tu... Elle est trop belle, ça hein. Ça pue, wesh. Ça pue, wesh. Waouh, oh my god. C'est vrai qu'elle prend toutes les meilleures photos, mais ça, elle pue la mer. Elle me dit comme toi. Elle est nulle. Ça pue, wesh. Arrête. Mon père, le pauvre, il en a marre de nous. Bon, les gars, là, il y a mon père qui filme. Et là, il y a deux spécimens, donc je vous les présente. Donc, on a le spécimen H. Ok, le spécimen H, donc qui est très gênant. Papa, il est comme ça. Mon père, il est comme ça. Il ne veut pas bouger. Et là, on a le spécimen M, avec qui on ne parle pas, parce qu'elle prend de mauvaises photos. Elle est chiante. Elle a toutes les mauvaises qualités du monde, enfin, tous les défauts. Merde, bonne courante, la mec, tu ne vas plus jamais prendre les photos avec ça. Ta gueule, ta gueule. Donc, moi, j'ai un truc à dire. Non, j'ai rien à dire. Aurais-tu un truc à dire? Oui. Dis. Si vous voulez prendre des belles photos, appelez-moi, appelez le 07 96. T'as qu'à appeler. Et toi, t'as un truc à dire? M. Mais ça... Pas de M. Et de 2. I am so beautiful. I'm there. Elle est. Elle va sortir ses meilleures lèvres et ses dents ici, elle va être comme ça. Attends, regarde, elle va être comme ça, elle va être comme ça. Non. Vous vous êtes ma gueule, vous voulez me faire? C'est toi, attends, vous voulez me faire? Ah oui, la crotte d'être ça. Elle est comme ça, regarde. La crotte d'être ça, genre, comme ça. Les gars, j'en peux plus, je suis morte de rire. Mais ça tellement elle est moche, elle arrive pas à voir. Genre même s'il y a le soleil, il y a le golden hour, tout est venu pour qu'elle soit bien. Mais la photo, regarde, mec, je suis trop belle. Qu'est-ce que tu veux toi? Non, je suis trop belle.
Les gars, là on est en plein Beverly Hills et c'est une dinguerie comment c'est beau. Genre ça se voit trop que genre le quartier des riches et tout, c'est trop beau. Les palmiers ils font genre 10 mètres, c'est une dinguerie. C'est, je kiffe. En fait c'est calme, c'est beau, c'est propre, c'est grand. En fait il y a tout ce qu'il faut en fait. Là on est arrivé chez ma pote les gars. Brea. Yeah les gars. Les gars. I say hi again. Bonjour les gars. Yeah, bonjour les gars. Yeah, it's correct. Bonjour, en fait, à chaque fois qu'elle regarde mes stories, je dis tout le temps les gars, les gars, les gars. Après, elle a commenté mes stories, elle fait mes meufs, ça veut dire quoi les gars? Après, j'ai les gars, means guys et tout. Donc là, on va faire plein de TikTok. Je sais pas si vous la connaissez. Je vais vous mettre son TikTok juste ici. Oui. Et voilà, voilà. You are famous in TikTok. Yes, yeah. I am. In America. Yeah, in America. Yeah. Yes. I will put your TikTok here. Oh, yeah. Guys, they will add you. Follow me. Yeah. I say follow me in French. Suivez-moi. Suivez-moi. Yeah, great. I say please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh my god. Oh my god. En fait, on va faire une choré TikTok et Maïssa en fait va apprendre Adrea pour faire la vidéo, enfin la danse. Je suis choquée. En 2 minutes, elle a appris et Noreen depuis hier. Noreen, si. Vous voulez me faire? Vous voulez me faire? Même un truc comme ça, toi tu fais. Vous voulez me faire? Vous voulez me faire? On a fini de tourner avec Brea et elle nous a ramené dans une sorte de café trop instagrammable, franchement. Genre, ça a l'air hyper bon. Bon, les gars, regardez comment c'est archi beau. Bon, là, Auréa, elle a déjà mangé tout. Avec Maïssa, on attend. Là, il y a mon père avec nous. Et là, il y a Brea. Do you like it? So good. Yeah. Regardez, I say very good. Very good in French. C'est très bon. Très bon, hein? Yeah, très bon. Très bon. Oh là là, ma glace est arrivée. Oh my god, les gars. Regardez. Oh my god. Elle est incroyable. Guys, on vient de rentrer et regardez cette folle ce qu'elle fait. Wesh. La... Elle a mis ma jupe sur sa robe et la meuf, elle fait des trucs trop zarbi. Mais wesh. Wow. Cette étude virgine, on dit j'aime pas JT moche, j'aime pas JT belle ou quelque chose. What? Ferme. Hey, qu'est-ce que tu dis? Ferme ta bouche, toi. Attends, je lui ai dit. Ouais, t'as dit ferme ta bouche. Attends, attendez, elle m'a dit fais-toi la petite. J'ai dit ou le rapport, elle me dit je suis belle. Non, je suis sans bruit, pourquoi? Parce que mon père, son téléphone, il s'est pas chargé. Moi, j'ai un truc à dire. Mon père, m'a pas donné le téléphone. Mais non. Attends. Mais je sais pas d'où il le sort. Du coup, mais ça, elle dit quoi? Elle s'énerve contre tout le monde. Et après, elle dit quoi? Je suis belle. Parce que c'est vous. Le problème de l'histoire. Le problème de l'histoire, c'est dans cette famille. Il y a un truc, c'est Maïssa. Ça. Pourquoi c'est moi? Bah oui, c'est toi. D'où c'est moi? Allez, nous viens parce qu'elle est ce qu'elle a. Oui, nous viens parce qu'elle a. Allez, viens, Reste ici, s'il te plaît. Non, laissez-nous voir. Reste. Au moins, laissez les gens voir. Laissez les gens voir. Sors. Laisse les gens voir, oui. Bref, les gens, nouveau jour à Las Vegas, à Los Angeles, c'est ce que je raconte. C'est notre dernier jour, donc aujourd'hui on va aller au Groove. Non, ça s'appelle de l'eau dedans. Ça s'appelle The Groove, donc c'est un centre commercial. On va aller faire shopping. J'ai m'acheté l'iPhone en. Moi, je vais m'acheter les Jordan. D'accord. Et peut-être ce soir, on va aller à la plage pour nager. Et voilà. On vient de finir notre petit shopping au Groove. Enfin, on n'a pas fait de shopping, voilà. On n'a pas fait de shopping. Il y a juste Auréa qui s'est embrouillée avec mon père et avec Maïssa. Je suis la seule personne de la famille avec qui elle parle encore. Bah, tu commences à me saouler, qui m'énerve. Ouais. Tout à l'heure, elle vient me filmer ici, là. C'est bon, on en a marre. Donc, du coup, on cherche où manger et j'ai trouvé un resto hyper sympa qui est à côté. Donc, c'est The Tarte, un bail comme ça. Donc, c'est à côté du centre commercial The Groove. Les gars, il est hyper sympa ce resto. Genre, trop de cuteness en lui. Toujours Auréa qui fait la tête. On a enfin reçu notre bouffe. Ça fait genre 40 minutes qu'on attend. Donc là j'ai pris un Beyond Burger. Donc en fait c'est, on dirait de la viande, mais c'est pas de la viande, c'est veggie. Et mon père a pris un burger américain. Mes petites soeurs ont pris la même chose que moi. Vous avez faim vous? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Pour la dernière journée, on est revenu à Venice Beach parce que je trouve que c'est le lieu le plus iconique. Dans ce magasin, tout le monde a acheté ici. Du coup, nous aussi, il faut qu'on achète. Je suis morte. Mais ça, t'es gênante. Je suis morte. Junior, c'est ici que t'as acheté ton chapeau à vous.
Je suis morte, Junior a le même. Je suis désolée, mais c'est vraiment la plus belle plage ever. Genre, j'en ai vraiment fait des plages, hein. Des plages paradisiaques aux Philippines, à Bali, au Mexique. Mais celle-là, elle est genre. Elle est toute seule. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est pas la plus ouf, mais en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a tout. Genre, il y a même la wifi gratos, wesh. Fais une trotte, Nina, allez, prends-moi une trotte. Et franchement, on est archi vélib. Un vélib. On est archi yumbe. C'est archi yumbe. Mais si elle prend la trotte, c'est trop bien. Vas-y. Venice Beach. Oh là, j'ai jamais remarqué. Je suis choquée. Venice Beach était à Venice Beach. Waouh. On adore. Je ne suis pas à Venice Beach, moi. Lorraine, elle nous a saoulé. Elle veut pas qu'on prenne une photo, un selfie ici. Elle veut pas nous payer un vélib. Pourquoi? Parce qu'elle s'est en pas fait, conduire. Elle, là, elle tout ce qu'elles savent dire, c'est payer, non, payer, bah payer. Non, c'est. Là, tu m'as saoulé. Je vais aller jouer des trucs de bébé. Vas-y. Le 31 décembre, j'avais fait un vision board. Et dans le vision board, bah, il y avait Venice Beach, il y avait Hollywood, enfin, il y avait LA. Il y avait également ce sac de chez Yves Saint Laurent dans mon vision board. Je suis choquée, les gars, parce qu'il y a plein de rêves que je suis en train de réaliser. Et c'est en partie grâce à vous. Là, j'ai réalisé un de mes goals de venir à Los Angeles. J'avais aussi comme goal d'acheter mon sac, même si ça c'est que matériel. J'avais aussi un de mes goals de réaliser le rêve de mon père et il s'est réalisé. Son rêve c'était de venir à Los Angeles, de voir les studios Hollywood, de voir le signe Hollywood. Il y avait aussi le fait de faire le Nevada en voiture et je lui ai fait réaliser ça. Je suis hyper fière de moi et on est qu'en janvier et j'ai déjà fait plein de trucs de mon vision board et j'espère qu'il y aura plein d'autres trucs qui vont se réaliser. N'hésitez pas à faire un vision board aussi parce que franchement ça aide de fou. En gros, ce que vous avez à faire, c'est plein de photos de tout ce que vous voulez faire. Par exemple, moi j'ai mis Hollywood, j'ai mis Venice Beach, j'ai mis le sac Yves Saint Laurent, j'ai également mis le sac Timeless de chez Chanel, j'ai mis plein d'autres trucs, enfin des trucs personnels, des trucs pro, des trucs que j'aimerais réaliser, des voyages, etc. Donc là, les gars, je vais aller rejoindre les deux autres folles. Et je vous reprends. Re les gars, on a retrouvé mon père et entre temps on est parti au Starbucks et j'ai acheté mon dernier mango dragon fruit, ça s'appelle comme ça, il est un peu trop dur à prononcer. Et c'est mon dernier parce qu'on rentre demain, je suis hyper triste. Et d'ailleurs Starbucks, vous attendez quoi pour commercialiser ça en Europe? Bon les gars, c'est la fin de ce vlog, je voulais vous quitter dans un lieu iconique et quoi de mieux que de le faire à Venice Beach. Je suis hyper triste parce que j'aime trop cet endroit, mais d'un autre côté je suis contente parce que je dois rentrer, je dois bosser, je dois aussi réviser parce que j'ai mes examens bientôt. Et j'espère que la prochaine fois que je vais revenir à Venice Beach, ça sera avec Junior et ma petite Yuki parce que je pense que cet endroit nous ressemble beaucoup à Junior et moi. Et je pense qu'on sera hyper bien ici, on prendra nos meilleures photos, on fera nos meilleurs TikTok et nos meilleurs vlogs. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici et si vous faites des voyages ou si vous postez des photos stylé sur Insta, n'hésitez pas à utiliser mon hashtag qui est juste ici, donc c'est Nour Travel. Je l'utilise beaucoup quand je voyage, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bossez dur pour ce que vous voulez, pour ce que vous aimez. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.